Chez moi après mon aller-retour dans le sud. Ce matin, j'ai passé un entretien chez un promoteur immobilier, pour ceux qui se posaient la question. En fait, je cherche à trouver un emploi de vente de logements neufs. Donc, j'ai passé mon sixième entretien ce matin depuis mes débuts de recherche. J'ai donc commencé à postuler à des postes, je dirais au mois d'octobre. J'ai envoyé pas mal de candidatures spontanées au mois d'octobre. Finalement, j'ai passé les tout premiers entretiens que j'ai passés, ça devait être au tout début novembre, je dirais. J'ai passé la première étape du processus de recrutement, j'en ai passé un deuxième. Entre-temps, j'ai été contactée par un autre promoteur qui avait reçu mon CV sur les candidatures spontanées. Donc j'ai refait un aller-retour pour faire un premier entretien avec un directeur, enfin un chef des ventes, en gros le N+5 que j'aurais dans le cadre de mon boulot. J'ai passé un deuxième entretien du coup avec le N+2 du coup que j'aurais potentiellement sur le poste. Et à la base, ils m'avaient dit qu'ils voulaient se décider avant la fin de l'année, donc je m'attendais à avoir des nouvelles fin décembre, début janvier. Finalement, ils ont reporté la prise de décision à fin janvier. J'ai le sentiment que ça s'est bien passé. Après, ce qui me perturbe un peu, c'est que, en toute honnêteté, c'est la première fois, ça va faire 12 ans que je travaille, c'est la toute première fois que trouver un poste m'autant de temps. D'habitude, j'ai toujours trouvé du travail très rapidement. Mais voilà, c'est un peu frustrant parce que du coup, dans ma tête, la décision, elle est prise. Je sais que j'ai envie de partir dans le sud. Je trouve que ça va pas assez vite, quoi. Mais bon, après, c'est aussi que je suis quelqu'un qui manque parfois un petit peu de patience. Et à la fin de l'entretien, il m'a fait visiter les locaux, donc je me dis que c'est plutôt bon signe. Donc, logiquement, semaine prochaine, il devrait me tenir informé de s'il valide ma candidature ou pas. Donc, croisez les doigts pour moi. Dans mon dernier podcast, je vous expliquais que du coup, j'avais passé une petite période sans tricoter, enfin en tricotant, mais vraiment très très peu. C'est tombé peu de temps après que je fasse les castings tous les dimanches. J'ai dû baisser mon rythme de tricot peut-être, je dirais un mois et demi après ça, grosso modo. Ce qui fait que là, quand j'ai repris tricot, en fait, j'ai un panier dans lequel j'ai tous mes encours. Concrètement, ça fait flipper. J'ai envie de tout reprendre, tout essayer de déjà voir ce que je vais garder, ce que je veux pas garder, tout bien ranger dans un sac à projet attitré. Et puis j'ai notamment un pull que je vais vous montrer, que je vais devoir détricoter. Donc je vais faire ça ce soir. Et puis en même temps, je vais ranger mon tiroir à bazar tricot. Je vais vous montrer, c'est une cata, du coup ça ressemble à rien. Si jamais il y a des gens comme moi, du coup je pense que ça va vous aider à déculpabiliser. Mais voilà, c'est n'importe quoi, il y a de tout, de n'importe quoi, c'est censé être relativement rangé ce truc. Donc je vais trier tout ça, ranger tout ça, et puis ça fera pas de mal. Et là du coup, il y a mon fameux panier avec tous mes encours, que je vais aussi m'amuser à trier avec vous. Et allez, c'est parti. Je sais pas si vous avez ça, mais ouais, moi c'est vraiment le tiroir où en fait je mets tout ce qui est outils matériel pour le tricot, mes étiquettes de laine que j'ai tricoté, de la laine de mes projets qui sont en cours, mais là c'est devenu n'importe quoi là. Pour préparer mes podcasts du coup, et puis aussi préparer la base, mettre à jour mes projets sur Ravelry, je garde toutes mes étiquettes de laine pour être sûre de me rappeler des quantités de laine que j'utilise. Mais sauf que il y en a dans tous les sens. J'ai de la crème pour les mains. J'ai de tout et n'importe quoi là-dedans. Donc là, je vais faire un bon gros tri de toutes les étiquettes. Je vais garder les étiquettes uniquement des projets qui sont en cours que je risque de vous montrer au prochain podcast. Et pour le reste, je vais trier. Et puis pour pouvoir indiquer sur mes projets Ravelry le métrage de ce que j'ai utilisé, etc. etc., etc. Voilà, donc c'est parti. Allons-y. Cet élan de motivation que je me tape est aussi dû au fait que bientôt je vais devoir déménager et donc j'essaye de faire des trucs au fur et à mesure. Il n'y a pas longtemps j'ai fait tri dans tout ce qui était vêtements, etc. Donc là c'est le moment de faire le tri tricot.
j'ai une chaussette que j'avais commencée il y a tellement longtemps. En plus, je suis pas loin de la finir, hein. C'était ma toute première chaussette. Je n'ai pas l'habitude de faire des chaussettes. Faudrait que je me repenche dessus. Par contre, mon chat a joué avec, d'où l'état de la pelote. Là, pareil, j'ai une boîte dans laquelle j'ai plein d'étiquettes, d'anneaux marqueurs, des trucs comme ça. On va la trier aussi. Bon, déjà, le tiroir est vide. Maintenant, on va falloir ranger tout ça. Ici, j'ai les patrons de... J'essaye d'éviter d'imprimer des patrons, mais certains patrons, je les imprime parce que c'est quand même plus simple. Et du coup, j'ai une pochette où j'ai tous les patrons que je compte faire. Et il y a le Fluffy, notamment, qui est un petit pull qui a été fait par le Style Meeting que j'ai très envie de faire. C'est trié. J'ai pas mal de petits carnets où je prends des notes pour tout ce qui est patron. J'ai le bullet journal pour tricopathe, ouais. Que d'ailleurs, faudrait que je continue de compléter. J'ai plein de petits carnets aussi de poche comme ça. C'est hyper pratique pour prendre des notes, savoir où on en est de nos rangs, etc. Donc ça, je les mets ici, je les mets là. Hop, ce sac, c'est trié. J'utilise en ce moment, je suis en train de faire mon deuxième Kelly avec Pro de Laval. En fait, pour trier mes étiquettes, va falloir que je sorte tous mes encours. Je crois que c'est l'étape obligatoire. À faire une pause déj, enfin un dîner. Petit rééquilibrage alimentaire ces derniers temps, donc j'essaie de faire pas mal de trucs maison. Et j'ai découvert ça, le gomasio. Bon, moi pour le coup je l'achète, mais je crois qu'on peut le faire. Ça rajoute vachement de goût au plat. Et il me semble que c'est un mélange de sel sésame. C'est du sésame blond, sésame noir, fleur de sel de Guérande. Donc c'est un assaisonnement en fait qu'on peut utiliser sur les plats. Et pour le coup c'est juste de la tuerie. Bon, bah là c'est le moment, j'ai fait ma petite pause repas. C'est le moment où il faut que je trie mes sacs en cours parce que j'ai pas le choix, je dois avoir des étiquettes je pense qui sont dans les sacs, donc on va y aller hein, tranquillement, sortir tout ce qu'il y a dans le panier. J'ai déjà commencé à en sortir un peu dans tous les sens et je pense qu'il va y avoir des redécouvertes. Déjà il y a ça que j'ai sorti la dernière fois, c'est un petit body enfant que j'avais commencé, c'est un modèle de Longa Vekana. Sur lequel il me reste pas grand chose à faire globalement, les manches, un i-cord et il faut que je pousse ça. C'est un sac que m'avait fait la maman de Olivier, Michel. Qui est absolument magnifique, absolument magnifique. Il m'avait offert ça, je crois que c'était pour un swap de Noël qu'on avait fait entre nous. J'ai un démarrage de châle de Stéphane West que je compte vraiment reprendre parce que c'est un patron qui permet d'utiliser pas mal de restes. Et j'ai mon Santolina qui est trop petit. Voilà, donc ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais le sortir. Je vais le sortir du sac à projet parce que je vais le détricoter. J'ai une de mes abonnées qui m'a donné comme conseil de le mettre dans le, de mettre le, la laine et le projet au congèle. Elle disait que ça permettait du coup de faire en sorte de pouvoir détricoter plus rapidement le mohair, donc je vais tester ça. Parce que de toute façon, si je détricote sans rien faire, globalement, je pense que la laine, je vais vachement l'abîmer dans tous les cas. Donc je me dis, autant tenter quelque chose. Donc cette nuit, je vais le mettre au congèle. Donc le voilà, hein, qui est trop petit. Je me suis trompée sur la taille, hein, tout simplement. Après, on en court. Donc j'avais totalement zappé. À la base, je vous avais fait participer pour choisir comment j'allais utiliser ces laines, la Fuse.
de Fiber Studios que j'avais acheté à Vogue Knitting Live quand j'étais allée à New York avec Amélie et Aurélie. Je devais faire ça, le Live Line. Mais finalement, en fait, le modèle me plaisait pas tant que ça. Et du coup, à un moment donné, quand j'ai repris le tricot et que je voulais faire des programmes simples, j'avais démarré le Trescao de Along avec Anna. Donc, faut que je le reprenne, hein, parce qu'en vrai, je l'avais pas mal avancé. Ah là là, le projet de la honte. Le vrai projet de la honte. Ça, c'est une étole que j'avais prévu de faire pour ma maman. Et franchement, ça fait 2 ans que je l'ai commencé. C'est l'étole lucarne de Yarn Flakes. J'en ai fait une bonne petite partie. En gros, j'ai fait 2/3. Il faudrait que je la reprenne parce qu'en plus, la laine, elle est quand même super sympa. C'était de la pelote vagabonde. Ces laines, j'ai prévu 150 projets sans jamais les faire. Ça, c'est des laines de Lena Mouret. C'est la qualité Aphrodite, donc qui est hyper agréable parce que c'est alpaga, soie et mérino, je crois. Est-ce que j'ai des étiquettes qui traînent? Et j'avais commencé à me faire le vinec boxy de Rory Locatelli. J'ai dû détricoter parce que ça allait pas. J'ai plus les étiquettes. Et du coup, je m'étais dit que j'allais faire le Like a Cloud de Rory Locatelli aussi, en mélangeant avec du mohair. Mais au final, je l'ai jamais fait. Du coup, j'ai libéré que 2 sacs à projet, hein. Que du coup, bah, vu que j'ai pas mal avancé, je pense que je vais le reprendre peut-être quand j'ai fini mon encours, le Kerry. Parce que comme ça, je pense que celui-ci, je pourrais le finir vite en plus. Donc ça me fera du bien, ça fera du bien au moral de finir rapidement un projet. Et ça fera déjà un bon titri. Et bah voilà, on est sur un tiroir beaucoup plus sympa et beaucoup plus rangé. D'ailleurs, je me suis rendu compte en rangeant des pelotes que j'ai trié, mais que j'ai triché, pardon. C'est ce modèle. Le modèle source, il me semble qu'il s'appelle, et que je suis dégoûtée parce que, pareil, j'ai choisi une trop petite taille. Je crois que je me vois plus mince que ce que je suis par moment. Et du coup, je l'avais jamais détricoté parce que peur d'abîmer la laine, la flemme. Bon, bah, ça sera comme le Santolina, hein, au congèle et détricotage. J'avais oublié, il manquait un sac à projet, mais ça tombe très bien. J'ai retrouvé un petit sac à projet. Qu'Aurore m'avait gentiment donné, donc de Maison Corlaine, et ça sera parfait pour mon petit châle en cours que je tricote dans un mélange de Célène et de Bességarne. Bon bah, une fois que je compte réellement tous mes en cours, en fait, pour être totalement honnête avec vous, il y en a 10. 10 dont 2 que je vais potentiellement détricoter, le Santolina et le pull source. Donc on va dire en vrai 7 réels en cours que je compte faire et finir. Donc voilà, un petit paquet, hein, mais tranquille. Mon Dieu, que j'ai peur. Mais ça y est, hein, on va mettre ça au congèle, hein. Allez, au revoir le petit pull. Bah finalement, je peux peut-être essayer d'en faire quelque chose, hein, de celui-là, hein. Je réessayerai à la lueur du jour et habillé normalement, parce que là je suis en gros pyjama. Mais il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose, parce qu'au niveau des épaules, on n'est pas si mal. Et je voulais vous montrer un dernier truc, parce que il y a des choses qui ne changent pas. Hein. J'avais dit que je n'achèterais plus de laine. Et ben voilà, je n'achète plus de laine. Je suis passée voir Anna et je lui ai pris la Gilliatt de Dereru Natura, puisque ça fait très longtemps que je veux faire une Kingston tunique de Andrea Mori, et là le froid m'a donné envie de la faire, donc je lui ai pris et comme ça fait très longtemps que je voulais tester la Gilliatt, du coup je lui ai pris de la Gilliatt en coloris rouge foncé, alors je sais pas le nom, aubépine. Et du coup, bah forcément, comme Anna faisait des soldes, je suis tombée sur ce gros sac d'ombelle de chez Fenty. Alors là, vous ne voyez pas du tout la vraie couleur. Je vous montrerai ça d'une meilleure manière parce que c'est un rose... Ouais, non, vous ne verrez pas là. Mais elle avait fait ça en lot. J'ai payé ça 30 euros. Je me suis dit, vu le prix de la ombelle de base, c'était à moins 50%. J'avais envie de la tester, donc j'ai pris le lot. Et du coup, à la toute origine,
J'ai été allée chez Anna pour lui racheter de la lessive à laine et je vais tester celle-ci, qui est une nouvelle marque Le Vent, qui est fabriquée en France. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et ben voilà, ça sera tout pour ce soir. Hein. On verra dans quelle mesure je filme le vlog des vlogs cette semaine. Ça permet d'utiliser pas mal de restes. Donc moi j'ai deux boîtes de cette taille-là qui sont remplies de restes. Alors il n'y a pas que de la fingering, hein, il y a un peu d'autres épaisseurs de fil, mais principalement de la fingering. Et donc c'est en tout il faut 260 g de laine. Il y a des grands carrés, des plus petits carrés et pour la plupart des carrés il faut très peu de laine, il faut 7 g, 15 g, etc. Donc je vais essayer de regarder, voir ce que je trouve dans mes boîtes, essayer de trouver un assortiment de couleurs qui pourrait coller. Et puis c'est parti hein. Du coup ce qui est bien c'est que j'ai vraiment pas mal de restes de fingering. Je vais en sortir un peu. Là je crois que dans cette boîte j'ai surtout des bleus, des gris, etc. J'aimerais bien essayer de mettre aussi un peu des restes de mohair pour doubler du mohair. Je pense que ça peut être pas mal. Enfin ça peut être sympa s'il y a un peu des mélanges de matières en plus. Qui me reste, c'est le reste de mon Kelly du coup. Bon, ça déjà c'est tous mes restes. On va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Utiliser, je vais essayer de peser un peu et voir d'un point de vue couleur. J'ai un peu des doutes sur celle-là, principalement celle-là, sinon le reste je trouve ça plutôt pas mal, mais en plus là c'est un gros reste, je pourrais peut-être m'en servir pour autre chose, mais peut-être partir là-dessus. Et celui-là aussi j'ai un petit doute, mais sinon le reste ça peut être pas mal. Du coup je suis en train de me faire des calculs savants, parce que si je double la lace du coup, il faut quand même que je vérifie par rapport au nombre de grammes, enfin par rapport au grammage que j'ai, ce que je peux faire. 310 mètres pour 25 grammes, donc 620 pour 50 grammes. Donc ça veut dire que ça fait 4 mètres par 1 gramme. 1240 par 100 grammes, ça fait 12 mètres pour 1 gramme. Sauf que je double, donc 6 mètres pour 1 gramme, c'est ça, vu que je double. Donc ce qui veut dire que ça fait 7 x 4, si je vais y arriver, ça fait 28 mètres de fil. Donc 28 divisé par 6. Ouais, c'est ça. Hein. Ça fait 12, 24, 4 grammes. Ouais, 4,5 grammes, quoi, à peu près. Donc quand il faut 7 grammes, moi, il faut que j'en ai 5 pour pouvoir doubler. Bon bah j'ai fini mes calculs de savant, donc je vais monter mes petites mailles pour démarrer l'étole. Voilà, je voulais pas commencer le projet, mais c'est comme d'habitude. Bon bah là j'ai fini ma pause déj, va falloir que je retourne bosser, mais je voulais vous montrer le début de mon premier triangle. Voilà, je pensais que j'allais avoir le temps de le faire en entier, mais non quand même, je me suis un peu emballée, ça reste de la fingering. Là pour faire, ouais les... là je suis à plus du 3/4 du triangle, vu que là ça se rapetissit. J'ai mis une heure à peu près, une heure et quart. Voilà, et puis j'ai mis toutes mes petites laines sur mon petit plateau. Comme ça, je pourrais m'en servir au fur et à mesure. Coucou, ben là du coup, c'est mardi soir. Je suis rentrée du boulot, je suis allée faire quelques courses aussi
pour pouvoir préparer ma nourriture pour la semaine. Dans mon dernier podcast, je parlais un peu du fait que je faisais un peu plus de cuisine. En fait, je fais un espèce de rééquilibrage alimentaire. L'idée, c'est principalement d'éviter de consommer tout ce qui est produit transformé au maximum. Alors, c'est loin d'être parfait, mais en tout cas, j'ai déjà pas mal changé ma manière de faire les courses, ma manière de consommer pas mal de choses. Et notamment d'essayer d'utiliser de plus en plus des produits qui ne sont pas sous plastique, sous emballage, etc. Donc j'ai investi dans un peu des bocaux, des trucs comme ça. Et pour le coup, ça m'a permis de bien me redonner du plaisir à cuisiner. Et puis surtout, j'ai une période où j'avais un peu pris du poids. Et entre le sport et le rééquilibrage alimentaire, du coup, j'ai réussi à perdre quelques kilos. Donc c'est cool. Et voilà, donc ce soir, je vais me préparer, je pense, une fondue de poireaux. Je sais pas encore avec quoi, mais je vais cuisiner un petit peu. Voilà, une bonne partie qui est faite. J'ai juste à faire un peu de riz pour accompagner ça et puis quatre petits repas de préparer. Du coup, je viens de récupérer mon projet du congél. C'est plutôt très drôle de sortir un projet du congélateur. Et on va voir ce que ça donne, le détricotage. Ça y est, j'ai fini mon premier triangle. Et du coup, avant de continuer, je vais juste aller mettre ces câbles dans de l'eau bouillante là pour essayer de les détendre un peu, puisqu'ils sont tout tordus et c'est hyper chiant pour tricoter. Donc je vais juste faire ça avant de rattaquer, mais après je vais pouvoir relever mes mailles pour faire la deuxième section. J'ai trop hâte. Et ben là, crevé, c'est l'heure d'aller dodo. Mais je voulais juste vous montrer du coup la deuxième section que finalement je fais dans Célène, parce que j'ai pas du tout assez en gris. Donc voilà, j'espère juste que les différences de qualité de fil vont pas trop déformer le projet. Au pire, je ferai des blocages au fur et à mesure. Mais en tout cas, je suis hyper contente parce que je trouve que ça sera pas mal. Je vous montrerai à la lumière du jour le prochain coup. Aujourd'hui, c'est mercredi et petite poche déj à la maison. Je sais pas si vous connaissez le granola salé, mais j'en mets pas mal sur mes plats du coup. Donc voilà, petit repas et puis après, petit tricot. C'est la fin de ma pause déj, je vais retourner bosser, mais je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait ce midi. Alors il n'y a pas grand chose parce que j'ai voulu commencer à faire le troisième triangle avec cette laine là, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que j'en aurais pas assez. Bon, j'avais pas fait grand chose, hein, j'avais fait deux rangs, mais du coup j'ai dû redémarrer. Et alors, comme vous pouvez le voir, effectivement il se passe que ce que je craignais un petit peu, c'est qu'en fait le triangle qui est doublé en mohair, du coup il est plus gros que les autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le troisième triangle, je vais bloquer cette partie là, je vais voir si en tirant un petit peu je réussis à équilibrer, et si c'est pas le cas, je pense que les autres sections en mohair, du coup je les ferai peut-être sur une taille d'aiguille plus petite pour réussir à avoir quand même des formes qui soient à peu près de la même taille. Donc je vais voir ce que ça donne. Si vraiment je vois que c'est problématique, au pire je recommencerai cette partie-là et celle-ci, du coup je serai obligée. Hein. Mais je recommencerai pour faire le mohair doublé dans une taille d'aiguille plus petite, probablement du 3,5. Et voilà, en tout cas pour l'instant je suis quand même plutôt hyper contente du projet parce que c'est sympa à faire, les sections elles sont rapides. Donc ça fait, enfin c'est gratifiant quoi comme projet. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer. Coucou, je voulais juste vous montrer rapidement mon avancée sur l'étoile Pythagore. Donc là, on est mercredi.
mercredi soir. Et je viens de finir la troisième section, donc je vais vous montrer ça rapidement. Et puis je voulais juste vous montrer qu'aujourd'hui, comme il faisait frais, j'ai mis mon sousi d'Alonga avec Anna, que j'avais tricoté en laine de chez Arco Iris Yarns, et que je mets toujours, toujours autant. Troisième section finie. Donc par contre, je crois que sur mon premier triangle, c'est peut-être qu'en fait, j'étais tendue, j'ai tricoté serré, je sais pas. Mais j'ai moins la différence de taille sur la troisième section. Donc en fait, je pense que quand je vais tricoter en mohair, je vais juste tricoter en 3,75 au lieu de 4. Et j'espère que ça va le faire. On va tenter, hein. De toute façon, il faut tenter des trucs et puis on verra bien. Hein. Mais du coup, j'ai un peu hésité sur quelle couleur utiliser pour... la quatrième section, et du coup je pars là-dessus. Ça va faire une partie un peu foncée, mais j'éclaircirai un petit peu après. Je pense qu'il y a moyen que ce soit cool. Par contre, je sais pas si ce mohair, je vais le doubler parce que il est quand même bien épais. Donc je sais pas trop si je le double ou pas. Je pense que je vais peut-être pas le doubler, le tricoter en 4 celui-ci, voir ce que ça donne. On va voir. Coucou, bah là du coup on est le jeudi 27, je viens de rentrer du boulot. J'ai un peu avancé sur mon étole, je vais vous montrer ce que ça donne, mais là je vais me faire mon velouté de courge, pardon. Donc je vais vous montrer vite fait. Velouté de courge, carotte et navet, donc j'ai découpé mes légumes. Il me reste un oignon à couper. Et puis je vais faire revenir ça dans une casserole, rajouter de l'eau et mixer le tout à la fin. Et sinon, bah, aujourd'hui, je suis trop contente parce que je suis allée manger avec Sophie, du tricot-monde de Sophie. Ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas vue. Donc, c'était cool de la voir. Et elle portait le dernier projet qu'elle a fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram. C'est un pull, je crois que c'est le ballon sweater de Petite Knit, si je ne dis pas de bêtises. Et elle l'a tricoté dans une laine de chez By Simon, le coloris Frida, qui est un rose fuchsia absolument magnifique. Donc voilà, bref, il est très très beau ce projet. Donc ça, c'était le moment cool de ma journée. Et le moment moins cool, c'est que du coup, sur un des postes pour lequel j'avais postulé et que j'ai passé deux entretiens, j'ai eu le retour aujourd'hui et du coup, ils ont pris quelqu'un d'autre d'expérimenter. Chose que je ne suis pas parce que je suis en train de changer de métier là actuellement. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je suis en concurrence avec des gens qui l'ont déjà fait. Donc... ils m'ont accordé le fait que, en gros, ils m'ont dit, on a vu que vous étiez hyper motivé, etc. Mais à l'instant T, on avait besoin de quelqu'un qui soit productif tout de suite, quoi. Donc bon, ils sont quand même censés revenir vers moi la semaine prochaine. Parce qu'ils vont peut-être créer un autre poste. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, petit coup au moral, quoi. Surtout que j'ai toujours réussi à trouver du travail très facilement à chaque fois que j'ai cherché. Et là, c'est un peu long. Donc ça me fait bizarre. Mais bref, c'est que je me dis que... ce poste, c'est pas le mien, et puis que c'est comme ça, hein, c'est tout. De toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête. Mais bon, en réconfort, je vais manger mon petit velouté de courge ce soir, et puis je vais tricoter des rangs de mon étole, et puis ça sera une bonne soirée quand même. Donc là, je vais faire revenir les oignons. Quand ils seront revenus un petit peu, je vais rajouter mes légumes. Je vais rajouter du lait de coco, un peu d'épices et de l'eau, et puis mixera tout ça. On est vendredi aujourd'hui et je me suis rendu compte en commençant à faire le montage du vlog que je vous avais pas parlé du détricotage du coup de mon Santolina. Donc j'avais mis au congèle, je l'ai détricoté la moitié là et franchement ça a été hyper simple. Alors à part le premier rang qui a été un peu compliqué mais c'est normal, c'est le rang du rabat. Par contre du coup j'ai détricoté la moitié de la laine et du coup je l'ai mise en cake. Et franchement, elle n'a pas l'air d'être abîmée, donc je suis hyper contente. Donc là, j'ai fait la moitié, c'était quand, mercredi soir. Mais comme c'était un peu long et que j'avais envie de tricoter mon étale, du coup, j'ai pas fait la deuxième moitié. Là, j'ai commencé à essayer de la faire, mais il faut que je remette au congèle. Donc j'ai remis au congèle pour que demain, je puisse faire la deuxième moitié de mon détricotage. Mais voilà, merci à Véronique pour l'idée, parce que ça marche très très bien. Salut! Donc aujourd'hui on est le samedi, je ne regarde jamais la date, donc on est samedi en tout cas. Hier j'ai pas trop pu filmer parce que j'ai une journée un peu chargée au boulot et puis je suis allée au sport entre midi et deux et je suis rentrée tard, du coup j'ai pu avancer un petit peu mon étole en soirée.
Et puis bah là aujourd'hui, je vais y aller en famille pour profiter un peu de ma famille avant de partir dans le sud. Et puis c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui, donc on va fêter ça. Mais je voulais juste vous montrer, donc j'ai continué de détricoter mon Santolina et ça se passe bien. Donc je vais finir ça là, en sachant que ce qui est cool, c'est que j'ai revérifié le patron et je vais pas avoir besoin de détricoter à 100%. Parce que c'est les mêmes instructions pour les différentes tailles sur le tout début. Donc ça, y aura toujours le col que j'aurai pas besoin de détricoter, donc ça c'est cool. Et puis je voulais surtout vous montrer l'avancée de mon étole parce que ça rend hyper bien et je suis super contente. Donc voilà l'avancée de mon étole Pythagore. J'en suis à la... Alors par contre je me suis plantée, normalement la section suivante c'était de reprendre des mailles sur cette bordure. Mais j'ai vérifié, ça n'a pas d'incidence sur la... Enfin ça va pas m'empêcher de faire la suite du patron, je vais juste inverser deux sections. Mais donc là, je fais la section 6, mais normalement, j'en devrais en être à la section 5. Alors, le mohair, du coup, ça fait un plus grand carré, mais je pense qu'au blocage, normalement, je devrais pouvoir rattraper ça. Au pire, ça gondolera un petit peu au niveau du milieu. La difficulté que j'ai, c'est qu'en plus, les différents mohairs que j'ai, c'est pas forcément la même épaisseur non plus. Là, je l'ai fait avec un mohair de chez Lang, le mohair luxe, qui est plus épais que de la lace. Pour que vous puissiez comparer un peu, voilà, c'est quand même pas... disons que c'est plus poilu, ce mohair-là. Donc j'aurais mieux fait de le faire en plus petite taille d'aiguille. Finalement, je l'ai fait en 4 aussi, comme le Mérinos. Je pense que si je la réutilise, je la tricoterai en 3,5 ou 3,75, peut-être. Ça devrait suffire pour pas qu'il y ait trop de différence non plus. Et puis après, les autres mohairs, comme je les double, je m'en sors pas trop mal au final. Donc je les ferai peut-être doubler aussi en 3,75, histoire 2, mais voilà. Mais en tout cas, je suis hyper contente du résultat. Ça, c'est de la Lilou Yarns en mohair que j'avais utilisé sur les côtes de mon damasque. Là, c'est de la single de Maison Corlaine que j'avais utilisé pour mon pulse feg. Ça, c'est de la bien-aimée que j'avais utilisé pour tricoter le Miara de Marie-Amélie. Donc ça, c'est de la langue, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Ça, c'est de la single de chez Madeleine et Philibert que j'avais utilisé pour tricoter mon Monstera. Et ça du coup c'est de la single que j'avais acheté de la marque américaine Madeleine Tosh et que j'avais utilisé pour tricoter le Vortex. Voilà, donc j'en suis là de mon étole. Coucou, bah là on est dimanche, le dimanche 30, je voulais juste vous montrer vite fait, j'ai mis mon Triscao du coup sur un double câble pour pouvoir l'essayer, donc hop. Si je vous montre pas le bon endroit, donc ici, pour essayer de voir la longueur, puisque c'est un cropped, mais je voudrais en gros qu'il arrive quand je le mets avec un jean pile ici. Donc là, je pense que je vais être bon pour pouvoir attaquer la bordure, parce qu'il y a un peu de rang raccourci à faire au niveau du dos. Et puis après, il y a une bordure en point mousse de mémoire, si je dis pas de bêtises, qui doit faire à peu près 1 cm. Donc je suis pas bien loin, mais là, franchement, je suis vraiment contente. Du résultat, j'avais un peu peur de la taille, j'avais peur qu'ils soient un peu petits, vu qu'en ce moment, j'ai l'impression que la moitié de mes projets sont petits. Mais non, j'ai une petite marge là, donc en sachant qu'il n'est pas bloqué, donc je pense que ça devrait le faire. Bon, bah là, du coup, c'est à peu près 15h30. Je viens de finir un bon 3 heures de gros tri, gros ménage, parce que donc j'ai ma notaire qui m'a appelé, je crois qu'elle m'a appelé vendredi, si je dis pas de bêtises, pour me confirmer la date de signature de l'acte authentique pour la vente de mon appartement. Donc, en gros, dans 2 semaines et demie, il va falloir que je déménage. Donc, je suis allée récupérer les cartons, et puis c'est surtout que je fais un gros tri, parce que j'avais fait faire des devis pour déménager mon appart. En gros, il y en avait pour grosse maille, 1000 euros. Et le truc c'est qu'en fait moi la plupart du mobilier que j'ai c'est pas du mobilier de grosse valeur, c'est des trucs que j'ai acheté chez Confo etc et qui du coup bah valent pas grand chose. Et honnêtement mettre 1000 euros dans un déménagement alors que c'est à peu près la valeur pécuniaire de mon mobilier, je trouve ça pas, enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt, surtout qu'il y a une partie de mes meubles que dans tous les cas je compte échanger, enfin surtout ce qui était lit, canapé, enfin bref. Donc du coup ça fait que bah je vais pas ramener grand chose dans le sud, mis à part tout ce qui est lié au tricot, mes vêtements, des trucs de souvenirs, des éléments perso. Mais en tout cas, tout ce qui est gros mobilier, la plupart de ma déco aussi, je vais pas forcément partir avec. Donc du coup, voilà, fallait que je commence à faire un gros tri, à mettre les annonces pour tout ce que je vends sur le bon coin. Donc voilà, 3 heures à faire ça. Et mon appart est dans un état de carnage, je vous laisse, je vais vous montrer, c'est cata. Bon, alors je dis que c'est cata, mais j'ai quand même rangé. Hein. Mais du coup, j'en ai un peu de partout.
J'ai fait le tri dans tout ce qui était vaisselle aussi. Et du coup, j'ai préparé ça. J'ai mis ça dans des sacs. Ce que je vais vendre, les annonces que j'ai faites, etc. Ce que je vais donner à la ressourcerie. J'ai tout sorti. En plus, j'ai déjà vendu mon meuble à chaussures. Donc, j'ai mes chaussures qui sont là. Enfin bon, c'est... c'est long de préparer un déménagement. Je me suis fait couler un petit café. Hop. Et puis, on va se poser tricoter parce que un peu de pause, ça fera pas de mal. Cette splendide laine que j'avais achetée. Je sais plus si je voulais filmer deux jours, mais franchement, je pense que c'est vraiment la plus belle laine que j'ai jamais tricotée en fait. Vous voyez là, on voit bien tous les reflets, la lumière qu'il y a dans le fil, et franchement, magnifique. Et avant de m'atteler au montage du coup de ce tout premier vlog, je voulais juste vous montrer les deux laines que je vous avais montrées, mais de nuit, donc on voyait pas très bien. Donc ça c'est la Gilliatt, bon, sachant que là elle ressort quand même plus claire que ce qu'elle est vraiment, hein. Elle est un poil plus foncée. Et la Hombelle, là par contre la Hombelle elle ressort pas mal, pareil, juste un poil plus foncé. Mais voilà, ça va être de beaux projets. Bon, c'est 20h20, je viens finir le montage de ce premier vlog. J'espère en tout cas que le résultat vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à filmer les images et à faire le montage aussi. En vrai, j'aime bien ça. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires, des suggestions si vous avez envie d'avoir certaines informations en particulier les prochaines fois. Et puis passez une excellente semaine. À bientôt !